Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour cette nouvelle guidance des anges. Ça faisait un petit moment que je ne vous en avais pas réalisé une et je me suis dit qu'au vu de la conjoncture actuelle, eh bien ça nous ferait du bien d'avoir un message lumineux venu directement de nos guides angéliques. Allez donc pour cette guidance qui est intemporelle, je tiens à préciser, c'est-à-dire que si vous voyez cette vidéo dans les jours prochains ou alors dans quelques mois, dans quelques années ou quelques siècles hein, pour les visiteurs du futur, eh bien c'est que vous aurez été guidé à voir cette vidéo et que certainement dans celle-ci il y a un message pour vous qui viendra peut-être répondre sous forme d'un conseil ou qui viendra se coller à une situation que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Donc, pour cette guidance, on va utiliser le cercle messager des anges de Dorine Virtue. C'est un jeu que je ne vous présente pas en lien, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est un jeu qui est quasiment introuvable. Les très rares exemplaires qu'on arrive parfois à dénicher sont à des prix assez exorbitants. Donc malheureusement, je n'aurai pas de conseil pour vous le donner ou vers où vous diriger. Il va falloir fouiner. Et pour accompagner, on va utiliser l'oracle des anges et les réponses angéliques, tous deux également de Dorine Virtue. Donc on se fait un spécial Dorine Virtue aujourd'hui. Je vous ai divisé le plateau en deux parties afin qu'on ait deux domaines de réflexion qui seront un petit peu donnés au hasard, puisqu'on va utiliser ici les dés de cristal qui sont fournis avec le jeu, hein, et on va donc s'en tirer un à chaque fois pour définir sur quel domaine on va travailler. Pour avoir un repère, je nous ai mis une petite poupée souci pour diviser le plateau en deux, à savoir six colonnes à chaque fois. Et puis donc dans les colonnes, ensuite on va avoir des cases sur lesquelles on va se placer et on viendra donc détailler le sujet abordé avec les cartes. C'est parti tout de suite. Donc pour le premier domaine, on part d'ici. Nous avons 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et nous allons parler de santé. Eh bien, je trouve que c'est d'actualité. Et pour le deuxième domaine, 5 aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Et on parlera de sentiments. Allez, aujourd'hui, ce sera spécial guidance, santé et sentiments. Je pense que vraiment, on est dans l'actualité du moment. Hein, véritablement. Si, alors, si vous, vous êtes un visiteur du futur, eh bien, sachez qu'en 2020, il y a eu une pandémie mondiale importante. Concernant un virus dont on ne sait rien et nous avons accumulé confinement sur confinement ainsi que mesures sanitaires et nous avons tous envie de nous suicider tellement nous en avons marre. Non, bien sûr, je rigole, mais bon, je fais de l'humour, c'est peut-être de l'humour un peu noir, mais croyez-moi que si vous aviez vécu la situation, on a deux choix, soit on pleure, soit on rit. Comme il y en a un petit peu marre de pleurer, j'ai décidé de rire. Allez, c'est parti tout de suite. Donc avant de tirer nos cartes, on va définir donc tout d'abord le domaine abordé pour la santé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on nous dit lâcher prise et s'en remettre à Dieu. Ah ça, c'est très joli. Ça, franchement, c'est un joli message. Est-ce que le lâcher prise et s'en remettre à Dieu, alors Dieu dans son sens large du terme, d'accord? On ne rentre pas ici dans des idéologies religieuses. Sur la chaîne, chacun est libre de croire en ce qu'il veut et est libre surtout d'appeler Dieu ce qu'il a envie d'appeler Dieu. D'accord? Donc je vous inviterai ici à ne pas faire de polémique, mais je sais que vous ne le faites pas. Hein. Vous êtes tous très tolérants et très respectueux. Je vous en remercie. Donc ici, on nous demande de lâcher prise, d'arrêter tout simplement de nous faire du souci et de s'en remettre à la vie. Alors ça peut être un petit peu, comment on pourrait dire? Je ne vais pas dire pessimiste ni fataliste, mais parfois il faut savoir reconnaître qu'il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter et il faut aussi accepter certaines épreuves du destin. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont écrites qu'on ne peut pas modifier. On peut parfois les faire reculer puisque la vie est faite entre le destin et notre libre arbitre, c'est-à-dire que j'aime beaucoup citer cet exemple, il est écrit que vous devez aller à Paris, mais pour aller à Paris, il y a une multitude de chemins qui s'offrent à vous. Vous pouvez soit faire un direct, hein, vous prenez l'autoroute sans sortir et vous allez à Paris, soit vous descendez par la Côte d'Azur, la Côte bordelaise, la Bretagne, etc. Vous faites un grand détour pour arriver à Paris. Ça, le choix du chemin, il vous appartient. Mais en revanche, la destination, elle est écrite. Donc,
Pour la maladie, même si c'est un petit peu fataliste de dire ça, il y a des choses qui malheureusement sont écrites. Quand on dit que notre heure est écrite, oui, ça je veux le croire, hein, quand effectivement c'est pas notre heure et que nous sommes sauvés in extremis d'une situation qui aurait pu se terminer de façon fatale. Tout simplement, ce n'était pas notre heure. En revanche, quant, eh bien, l'heure du glas a sonné, eh bien, on ne peut strictement rien faire, hein, on ne peut pas reculer la chose. Et pour la santé d'ordre plus général, parfois, il y a un moment où il faut arrêter aussi de combattre et de vouer de l'énergie pour quelque chose qui va davantage vous affaiblir le corps. Le corps et l'esprit, et justement votre corps a besoin d'énergie pour lutter. Donc laissez votre corps faire les choses. Le corps, c'est une machine qui est extraordinaire, qui est parfaitement réalisée. Chaque chose a une place et une place pour chaque chose. Chaque cellule a un rôle particulier et votre corps se défendra toujours, il fera toujours les choses. Ça prendra du temps parfois, hein, parfois ça prend quelques jours, parfois ça prend quelques mois ou quelques années, mais votre corps finit toujours par cicatriser, il finit toujours par y arriver. Sauf bien sûr certaines exceptions de maladies graves et certaines pathologies. Mais en règle générale, laissez tout simplement votre corps faire les choses. C'est comme un rhume. Un rhume, beaucoup de personnes pensent qu'on peut soigner un rhume, mais non, un rhume ne se soigne pas, un virus ne se soigne pas. Vous pouvez améliorer votre état, par exemple pour vous aider à respirer, etc., etc., mais ça ne vous soigne pas, ça vous soulage tout simplement, hein. C'est une sorte de... Je ne veux pas dire que c'est un placebo, parce qu'il y a des effets. Mais des effets qui sont là pour vous soulager et non pour soigner le rhume en lui-même. C'est votre corps qui va éliminer le rhume tout seul. Et bien là, c'est pareil, c'est-à-dire cesser tout simplement de vouer de l'énergie dans ce que vous êtes en train de vivre sur le terme de la santé. Laissez les choses se faire, confiez, ayez confiance en la vie, ayez confiance au destin, ayez confiance en la divinité dans laquelle vous croyez et laissez-vous tout simplement aller. Allez, on va voir du coup avec les cartes. Je viens de vous faire une interprétation alors qu'on n'avait même pas les cartes. C'est pas joli ça, franchement. Et je voudrais dire du coup qu'on ait un message très similaire avec les cartes. On va s'en prendre deux. Alors, nous avons remarqué les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. On a un très joli message. Et pour la deuxième, averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance et nous travaillerons ensemble. Vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Là, ça nous parle de finances, mais ça peut aussi nous parler de santé. Je suis désolé, je vois que vous avez un reflet. Ça, c'est dû à ma softbox et que le jeu soit brillant. Donc, je vais peut-être, voilà, peut-être me mettre comme ça. Et puis, je vais vous montrer aussi les cartes si vous souhaitez lire les messages. Donc voilà pour le premier. Et pour le second, n'hésitez pas à mettre pause pour lire. Donc je vous disais, on va d'abord commencer par le premier message et pour l'averse d'abondance, puisqu'on pourra remplacer la situation financière par la situation de la santé, hein. Alors, remarquez les signes, ce qui veut dire ici que le ciel vous a envoyé des signes, il vous suffit de les interpréter, des signes peut-être sur votre santé. Alors ça peut être la santé physique, mais ça peut être la santé d'un couple, la santé d'une famille, la santé de votre entreprise, c'est vrai, hein, après tout on parle d'une situation financière. Ici. Peut-être que c'est la santé de votre entreprise. Et si on parle par rapport à l'actualité, c'est vrai qu'avec les confinements à répétition, eh bien peu importe notre travail, on est tous affectés, hein, par une autre pandémie qui risque d'arriver, qui, elle, est une pandémie économique. Et fatalement, les finances vont en prendre un sérieux coup, hein, depuis le début de l'année. Elles en ont pris d'ailleurs un sérieux coup. Donc c'est vrai qu'on pourrait aussi parler d'une santé financière. C'est aussi possible, d'accord?
Quoi qu'il en soit, peu importe la santé ici qui est évoquée, que ce soit la santé physique du corps, que ce soit la santé d'un couple, d'une famille, d'une entreprise, ici on vous demande de remarquer les signes, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vous ont été envoyées, il y a des choses sur votre chemin qui vous ont été envoyées, et il vous suffit de remarquer ces petits signes, petits ou gros, de les interpréter et de comprendre peut-être que vous n'êtes pas seul ou peut-être qu'il y a des solutions qui se présentent à vous, qui sont peut-être aussi présentes, mais que vous n'avez pas remarqué, parce que très souvent, lorsqu'on souffre ou lorsqu'on est dans un état de détresse, d'anxiété important ou angoissé, ou voilà, on a tendance un petit peu à se mettre des œillères. Enfin, c'est surtout ces sentiments qui nous mettent des œillères et qui nous empêchent de voir les possibilités qu'il peut y avoir autour de nous, parce que en principe, il y a toujours une solution qui s'offre à nous, hein. Il y a toujours comme on dit, la grâce du moment. C'est-à-dire un dernier secours qui vous a envoyé au moment où vous en avez le plus besoin. Eh bien, ici, on vous invite vraiment à remarquer ces signes. Regardez autour de vous. Essayez d'enlever un petit peu les œillères que vous pourriez avoir autour de vous pour regarder ce qu'il y a justement près de vous et que vous ne voyez peut-être pas. Et vous pourriez soit trouver une solution, soit trouver du soutien, soit trouver de l'aide ou tout simplement un autre chemin vers lequel il faudrait vous diriger afin de régler et avoir une solution. Et puis, on vous parle ici d'une averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. C'est-à-dire que ici, on vous conseille d'abord de vous confier. C'est important quand on rencontre des problèmes dans la vie. Surtout lorsque ce sont des problèmes d'ordre intime qui nous gênent, et souvent ce sont soit des problèmes liés à l'argent. C'est vrai que l'argent, on a du mal à en parler, c'est un sujet tabou. Mais il y a aussi d'autres sujets qui sont un petit peu tabous, et quand ce sont des sujets comme ça qui nous touchent profondément, on a du mal à en parler, ou tout simplement on a du mal à mettre des mots, MOTS, sur nos mots, MAUX. Et là donc, on vous demande ici de vous confier. Donc ça peut être un conseil dans le sens soit littéral du terme, c'est-à-dire que si vous voulez aller mieux dans votre santé, et là encore, je vous le réitère, peu importe le domaine dans lequel on parle, soit la santé du corps, de l'esprit, d'une relation, d'une famille, d'une entreprise, si vous voulez lancer une démarche, un processus vers une solution, confiez-vous déjà, confiez vos problèmes, parlez-en, confiez-vous, voilà, n'ayez pas peur d'en parler tout simplement. Et ensuite, en vous confiant, peut-être que la personne en qui vous allez vous confier aura une solution à vous apporter ou à vous proposer. Et par conséquent, cette solution pourra vous apporter une forme d'abondance. Là, en l'occurrence, on nous parle d'une averse d'abondance. Donc là, c'est carrément une pluie, c'est un orage d'abondance. Donc vous imaginez que si vous regardez autour de vous et que vous confiez, que vous ouvrez votre cœur, métaphoriquement, pas littéralement, hein, allez pas chercher un couteau et puis vous ouvrez la poitrine. C'est pas le conseil que je vous donne, hein, on parle métaphoriquement. Si vous ouvrez votre cœur et que vous confiez voilà, à la personne, à l'organisme qui pourrait vous aider ou quelqu'un qui serait susceptible de vous aider, ne loupez pas cette occasion. N'ayez pas peur de demander de l'aide, hein. Je sais qu'on est plusieurs. C'est vrai que quand on demande de l'aide, parfois on peut rencontrer des gens qui ensuite dans le futur vont nous dire, bah dis donc avec ce que j'ai fait pour toi, hein, je pense qu'on connaît tous cette phrase. Et à cause de cette phrase, après on finit par devenir réticent à parler de nos problèmes et à demander de l'aide. C'est comme la phrase tous les jours, salut, ça va? Si vous répondez oui, c'est cool. Si vous répondez non, tout le monde s'en fout quelque part. Et puis on va vous dire au mieux, bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, etc., etc. Enfin, vous voyez, c'est plus par curiosité malsaine que véritablement par sincérité. Donc, qu'est-ce qu'on fait spontanément? Oui, ça va, tout va bien. Je viens de divorcer, j'ai perdu ma grand-mère, mon chat s'est suicidé, mais ça va très bien. Voilà. Donc, en principe, c'est ce qu'on répond, c'est plus une formule de politesse. Et bien là, c'est le même problème. Si vous rencontrez des problèmes dans le domaine de la santé, santé physique, hein, surtout, parlez-en, ça c'est important pour la santé physique, hein. Ne vous automédicamentez pas, ça se dit absolument pas. Ne vous auto-diagnostiquez pas, c'est-à-dire ce n'est pas parce que vous avez, je sais pas moi, une petite toux, hein, que vous vous dites, oh j'ai l'habitude, allez je vais me faire une petite bronchite. Non, ça cache peut-être quelque chose d'autre qui est peut-être plus important. Donc parlez-en, confiez-vous. Et puis pour toutes les autres formes de santé, comme je vous l'ai dit, c'est pareil, confiez-vous si y a une pandémie aussi dans un sujet particulier de votre vie, parlez-en et confiez-vous. Allez, je propose de poser une question.
Et puis, on va voir la réponse qu'on peut obtenir. Allez, vous êtes prêts? Elle est prête, ta question. Votre question. Et nous avons, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. C'est très intéressant comme message ici, puisque je viens de vous le dire, je pense que la situation peut évoluer, mais ça dépendra vraiment de vous. Et votre question, il est possible que la question que vous ayez posée avait un lien justement avec le domaine abordé. Et là, on vous demande concrètement peut-être de faire un choix. Et effectivement, si on reprend ici, soit vous avez le choix d'en parler, de vous confier, éventuellement d'essayer de trouver des solutions avec d'autres personnes, ou tout gérer tout seul, tout assumer tout seul, au risque de vous écrouler et de foncer sur un mur. Voilà. Ça peut être ça, c'est-à-dire que l'avenir dépendra, votre réponse, l'avenir de votre réponse dépendra surtout de vous, de votre choix, de votre réaction et des actes que vous ferez. Allez, on y va maintenant pour le second domaine. Où est-ce que j'étais? Je suis là. Allez, nous avons un 11. Bah, du coup, ça va nous amener ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est ça, âme sœur. Âme sœur, ça c'est intéressant. C'est un sujet qui parle à beaucoup, les âmes sœurs. Hein. Donc, il est possible peut-être qu'autour de vous, vous ayez une âme sœur. Alors, attention, une âme sœur, c'est pas forcément l'amour comme on l'imagine. Hein, l'amour avec un grand A, l'amour des films de Noël qui passent en ce moment. Non, une âme sœur, ça peut être aussi un ami, hein, ou une amie. Quelqu'un vraiment avec qui on est fusionnel à un tel point qu'on n'a même pas besoin de se parler pour comprendre ce qu'on pense, ce qu'on dit, etc. Avec qui vraiment on partage un lien très fort comme si vous étiez jumeaux. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une forme de passion. Hein, parfois, il peut y avoir des passions qui nous animent, mais véritablement, dans lesquelles on se sent vivant, dans lesquelles on se sent évoluer complètement et être nous. Et ça peut être aussi une forme d'âme sœur. Hein. Donc l'âme sœur, ce n'est pas forcément le couple. Hein. Une âme sœur, ça peut être plein de choses. Allez, nous avons se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Ça, c'est un joli message, vraiment un joli message. Et pour l'autre, projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. C'est drôle, ces messages, ça correspond mais complètement à ce que je viens de vous dire par rapport qu'une âme sœur pouvait être aussi une passion. Et c'est drôle quand même qu'on ait des messages qui collent complètement. Allez, je vais vous montrer donc la première. Pareil, n'hésitez pas à mettre pause pour la relire. Et la seconde. Alors, ici, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit tout d'abord de se récompenser. Donc, ça veut dire que depuis ces derniers temps, vous avez peut-être beaucoup donné, vous êtes peut-être beaucoup consacré aux autres. Hein, c'est le principe de l'âme sœur. Très souvent, une âme sœur, quand on est fusionnel, on pense beaucoup à l'autre. On est vraiment dans cette forme d'empathie très profonde et très avancée, où on pense plus à travers l'autre jusqu'à parfois s'effacer. Et on a plus ou moins, comment je pourrais vous dire ça, on ressent finalement, on n'a plus ce besoin de penser à nous parce qu'on sait que c'est l'autre qui pense à nous, mais il faut aussi savoir penser à soi. Et c'est important, hein, c'est important pour ne pas s'oublier. Donc il est possible peut-être que ces derniers temps, vous ayez beaucoup consacré aux autres, que vous ayez beaucoup donné justement, à un tel point peut-être qu'il serait temps aujourd'hui de vous récompenser. Mais vraiment, ne soyez pas égoïste là-dessus. Alors, je ne vous dis pas d'aller vous acheter un château et une Ferrari, bon, sauf si vos moyens vous le permettent.
internet, faites-vous plaisir. Mais la récompense, elle peut être, elle n'est pas forcément matérielle. Elle peut être dans plein de choses. Ça peut être un sens, ça peut être quelque chose qu'on apprécie particulièrement. Ça peut être un petit moment de plaisir, un petit moment de partage, un petit moment égoïste. Hein. Par exemple, vous rêvez de vous acheter une grosse boîte de Ferrero Rocher et de la manger pour vous tout seul comme un gros égoïste. Et ben, si ça vous fait plaisir, faites-le. Mais voilà, c'est ce type de récompense. C'est-à-dire que l'altruisme, c'est bien, mais l'altruisme mérite quand même d'être récompensé. C'est-à-dire que il y a une forme d'hypocrisie où, on va être honnête, hein, il y a une forme d'hypocrisie sur le fait que quand on donne, on dit très souvent si je le fais, c'est de bon cœur, j'attends rien en retour. D'accord. Par contre, si je te donne rien, je constate que tu tires un peu la tronche. Donc, si, quelque part, c'est bien que tu attendais un petit retour quand même. C'est très rare les personnes qui donnent vraiment sans compter, qui n'attendent absolument rien en retour. On attend tous. C'est humain, on ne peut pas nous en vouloir, c'est humain. Quand on donne, on a aussi ce besoin de reconnaissance, juste un merci, juste une gratitude. Voilà. Eh bien, ce moment de gratitude, c'est à vous de vous l'accorder, à vous de vous récompenser. Vous avez donné, vous avez consacré du temps, vous avez fait pour Pierre-Paul Jacques. Aujourd'hui, il est temps de penser à vous. Et en plus, ici, on nous parle d'un projet créatif. Peut-être qu'il est temps de vous mettre en action pour réaliser peut-être quelque chose que vous n'avez plus eu le temps de faire, parce que peut-être que vous consacrez pleinement, imaginons, moi je sais pas, que vous soyez mère ou père de famille très nombreuse, vous avez 27 enfants exactement. Et bien entendu, vous n'avez pas une seule minute de répit avec une famille pareille. Eh bien, tous les projets que vous aviez pu avoir il y a 10 ans, comme par exemple, je sais pas moi, vous coudre une jolie robe, ou ça peut être tout et n'importe quoi. Mais ici, on nous parle vraiment de quelque chose, peut-être que vous y avez pensé. Et puis vous l'avez peut-être mis dans un placard parce que bah, vous n'avez plus le temps, parce que vous vous consacrez aux autres, parce que vous avez un travail prenant, parce que vous consacrez beaucoup d'énergie pour telle et telle chose, et du coup bah, vous n'avez plus de temps pour vraiment faire des choses qui vous plaisent. Peut-être que c'est ça le fait de se récompenser. Votre récompense ici doit passer par le fait de reprendre quelque chose, reprendre un projet créatif, quelque chose qui vous tenait à cœur. Ça peut être, je sais pas, la musique, la chanson, la couture. La mécanique, le sport, j'en sais rien, moi, tout ce qui vous fait vibrer. Mais pour moi ici, il y a un projet qui vous tenait à cœur il y a quelque temps et que vous devriez reprendre, ça sera votre récompense. Et vivez ce projet pour vous. C'est-à-dire, faites passer ce projet, allez jusqu'au bout, hein, cette fois-ci. Dites-vous que c'est bon, vous avez assez donné. Aujourd'hui, vous vous accordez ce temps, vous vous déconnectez des autres et vous terminez ce projet. Et lorsqu'il sera terminé, eh bien, d'une part, vous serez content de vous car vous aurez accompli une tâche qui vous tenait à cœur, une tâche peut-être qui avait commencé il y a longtemps. Et en même temps, ça vous récompensera, vous aurez eu votre moment à vous et eh bien, ensuite, vous pourrez reprendre votre altruisme et toutes les activités, excusez-moi, que vous pouviez faire. Mais privilégiez ce projet-là, ce projet créatif, c'est important de vous récompenser. Ok? Allez, je vous invite maintenant à poser une question. Peut-être également aussi que ce projet créatif peut être vécu avec votre âme sœur, avec une personne avec qui vous avez un lien très fort et un lien très particulier. Peut-être que le fait de se récompenser, c'est aussi le fait de retrouver son âme sœur. Peut-être que vous en avez été séparés à cause ben, des aléas de la vie, des choses. Hein. Et le fait de se récompenser, ça peut être aussi faire ce projet créatif avec son âme sœur et vivre ce moment privilégié et intime avec la personne avec qui vous avez ce lien particulier. Allez, vous avez votre question en tête? C'est parti. Et nous avons attendez. Attendez, attendez. Donc ça veut dire que on vous demande d'être patient, tout simplement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Alors, cette réponse, elle peut venir se greffer avec ce que je viens de vous dire pour vous signifier ici de patienter encore un petit peu. Peut-être que ce n'est pas encore le bon moment, ou peut-être qu'il faut réfléchir encore un petit peu. Hein, sur le sujet de votre question, ça veut dire que soit il vous manque un élément. Soit il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait encore favorable, et pour que ce soit optimal, il faudrait attendre. Ça ne veut pas dire que votre question
Si vous le faites là, ça ne veut pas dire que c'est voué à l'échec. Pour moi, je le ressens plus que si vous voulez véritablement que ce soit optimal, attendez. Je vais vous prendre un exemple très concret. Imaginons que vous vouliez, moi je ne sais pas, vendre quelque chose. Et puis, si vous le vendez aujourd'hui, eh bien, le racheteur va peut-être vous en faire un certain prix, une certaine offre. Si vous aviez patienté un petit peu, eh bien, vous auriez trouvé un racheteur qui vous aurait peut-être proposé le double de l'offre. Voyez? Donc, ça ne veut pas dire que là, le sujet de votre question, si vous le faites à partir de maintenant, c'est voué à l'échec. Mais si vous attendez un petit peu, ça sous-entend qu'il peut y avoir une opportunité qui va se présenter, qui permettra à ce que ce soit optimal et que ce soit dans de meilleures conditions encore. Voilà donc mes chers amis pour cette guidance des anges. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait plaisir et ça permet de référencer la chaîne également. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Je ne le dis pas souvent dans mes vidéos, mais c'est vrai que des fois, c'est bien de faire une petite piqûre de rappel. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour suivre toutes les actualités de la chaîne et puis pour rejoindre notre grande et belle communauté de l'œil dans le noir. En attendant, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour de prochaines guidances.